Allier galopait à bride abattue sur les routes de France en direction de Paris. Chacun de ces deux hommes est chargé d'un message qu'il doit porter au Louvre le plus tôt possible. Ils sont bien loin de se douter qu'ils tiennent dans leurs mains, chacun de son côté, un élément susceptible de changer l'histoire de France. Monsieur, montrez-moi le chemin, je vous prie. Sur mon âme, monsieur, je n'en ferai rien, car je suis votre humble serviteur, le comte Hannibal de Coconas. Et moi, monsieur, votre tout dévoué, le comte Joseph Flérac de La Mole, pour vous servir. Dans ce cas, monsieur, entrons ensemble. Passez. Mais je vous en prie. Après vous. Voilà. Monsieur l'hôte de la Belle Étoile. Monsieur le Manant. Monsieur le drôle. Oh, pardon, pardon, messieurs, je ne vous ai pas vu venir. Il fallait nous voir, c'est votre état. Préparez-moi une chambre, et vite. Pour moi une autre. C'est que je n'en ai qu'une, et avec un seul lit, encore fort, fort étroit. En ce cas, elle me revient. Pardon, pardon, monsieur. Voulez-vous me dire de quel droit je vous prie? J'étais arrivé avant monsieur. Je pense que nous sommes arrivés ensemble. Vous croyez? Je ne crois pas, monsieur. J'en suis sûr. J'ai demain une longue traite à fournir pour le service de monsieur le duc de Guise, ce qui me confère la priorité. Et moi, je suis attendu au Louvre. Par Sa Majesté, le roi de Navarre. Ce qui me donne le pas sur vous. Messieurs, il y a une autre auberge à une lieue d'ici. Ces hérétiques deviennent d'une audace. Voulez-vous quitter vos grands airs, monsieur le catholique? Cessez de tourmenter la poignée de votre épée, monsieur le huguenot. Mais peut-être qu'en mettant un matelas par terre. Oh la lotte! Vous êtes de bons catholiques? Oui, bien sûr, mais. Dans ce cas, il n'y a pas de place ici pour un de ces parpaillots de malheur. Ce sont deux mots de trop. Je suis prêt à vous en rendre raison. Oh, mais messieurs, messieurs, il y a fort peu à rendre raison, je vous jure. Allons, bon. Oh, arrêtez, mais arrêtez. Vous pouvez blesser mes pieds, en prison. Chauffez-vous donc, monsieur l'hérétique. Je suis trop votre serviteur pour ne pas vous obéir. Par celle-ci, monsieur l'hérétique. Ordez, mais vous êtes en paix. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Nous, Charles IX, roi des Français par la grâce de Dieu, enjoignons à nos fidèles sujets, tant catholiques que protestants, d'oublier les querelles fratricides et de se tendre la main en conformité avec les paroles du Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est bon. Les ordres sont les ordres. Leur mandons en outre quand ce jour-ci est célébré au Louvre. Le mariage de notre très chère sœur Marguerite de France, catholique, avec Sa Majesté Henri de Navarre, prince protestant. En donnant aujourd'hui ma sœur Margot à mon cousin Henri, je donne mon cœur à tous les protestants du royaume. Le Christ n'a pas seulement dit « aimez-vous les uns les autres ». Il a dit « aimez vos ennemis ». Vive le roi ! Vive la réconciliation ! Vive le roi ! Vive Henri de Navarre!
monsieur le duc de Guise. Qu'attendez-vous pour tendre la main à monsieur l'amiral? Que la sienne me soit offerte, sire. Allons, Coligny. Un effort. Je vous en saurai gré. Vive Marguerite de Navarre! Vive Henri! Vous aussi, monsieur. Embrassez-moi. Et mon nom d'ennemi, madame. Eh bien, tu vois, il n'est pas si mauvais que cela. Sire, Judas aussi savait embrasser. Accompagne-moi dans mon cabinet, je vais te confier tous mes plans de campagne. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Si votre mère Catherine vous entendait. La mère est une brouillonne qui ne s'entend qu'à exterminer. Ces Italiens ont fait leur temps. Après tout, nous sommes à la cour de France. Oui ou non? Parle, continue à parler. Ma parole, il se prend pour le roi. Et que voulez-vous, majesté, à force de régner, c'était à craindre d'un jour à l'autre. C'est moi qui règne. Et pour commencer, je vais apporter un peu d'imprévu à cette petite fête de famille. Carlotta! Carlotta! C'est bien. Henri de Navarre est depuis longtemps dans la salle de bal, qu'attends-tu? J'y vais, majesté. Ah, tu as bien compris ce que je t'ai dit. Je ne veux pas que ce mangeur d'ail couche cette nuit avec ma fille, Margot. Oh, moi non plus, madame. Tu l'aimes d'autant que ça, le Navarre? Oh oui. Enfin, tant mieux. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te forcer. Ah, monseigneur le duc d'Anjou attend à la porte. Oh, qu'il entre, ce trésor! Bellissimo, carissimo! Vous avez vu mon nouveau pourpoint, mère? Oh, tu es magnifique. Mais veux-tu enlever ce rouge, Godin? Ah, René, mes filles. L'étoffe vient d'Italie. Et la dentelle? Ah, quel beau roi tu fais. Oh, si Charles t'entendait. Il avalerait son corps de chat. Monsieur le comte a perdu cela tout à l'heure en se battant. Oui, que disions-nous? Ah oui, nous vivions à ce médaillon. Sans lui, à l'heure qu'il est, ce gentilhomme serait aussi embroché que les poulards de notre hôte. N'est-ce pas merveilleux? Le portrait a su protéger une existence qui appartient tout entière à son modèle. Oh, comme il a dit cela, le portrait a su protéger une existence. Mais il est joli au moins, le modèle. Joli? Ah non, elle est tout simplement la plus belle, la plus pure, la plus intelligente créature qu'un homme ait jamais approchée. Morbi! Je demande à voir. Elle là. Mais c'est Margot, Marguerite de France, la reine Margot. Non, pas possible. Messieurs, ceci doit rester un secret entre nous. Jurez-le. C'est bon. J'ai juré. D'accord. Vous êtes de ses amants? Non. Je ne l'ai vu qu'une fois, et de loin, lorsque sa mère l'a présenté au roi de Navarre à Cognac. Mais depuis ce jour, je ne vis que pour elle. Mes compliments. Vous avez bien choisi. Une débauchée dont les mœurs font le scandale de la cour. C'est une calomnie dont je ne crois pas un mot. Oh, il est jeune. Une putain. À côté de qui Lucrèce Borgia avait figure de puce. Monsieur, vous m'en rendrez raison. Alors, est-ce que vous n'allez pas recommencer? Et la réconciliation, alors, qu'est-ce que vous en faites? Oh, c'est intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable? Le roi m'a forcé de serrer la main de Coligny. Et alors? Vous n'êtes pas mort, non? Parlons de choses sérieuses. Tout est prêt pour cette nuit? Non, Majesté. 24 heures nous sont encore nécessaires. 24 heures? Je ne veux pas que Margot passe la nuit avec le chasseur d'ours. Moi non plus, madame, je ne veux pas. Un peu de tact, Guise. Que vous soyez l'amant de ma fille, c'est déjà une horreur. Mais que vous vous en vantiez devant moi, c'est pire. Une faute de goût. Pardonnez-moi, madame. 24 heures. 24 heures! Nous prenons la peine d'organiser ce mariage dans le seul but de rassembler nos ennemis à Paris. Il n'y a plus qu'à refermer le piège sur eux. Et vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs?
Un message de mon frère, le duc de Mayenne. Il doit donner le signal aux provinces de façon que le massacre... Je déteste ce mot! De façon que l'opération soit déclenchée en même temps dans toute la France. Qui est le porteur de ce message? Un certain comte de Coconas, un homme très sûr. Dis donc, ils sont beaux garçons, ces Huguenots. J'en essaierai bien un pour changer. Qu'est-ce que tu as? Ce pauvre Henri, lui qui n'aime pas les fêtes, il est servi. Qu'est-ce que tu veux? Ça n'est pas tous les jours qu'on se marie. Est-ce moi qui me marie par hasard? Ce n'est tout de même pas moi. Petite dame, c'est la religion réformée qui épouse le pape, voilà tout. Sans doute, mais tout à l'heure c'est la reine Margot qui renverra ses femmes. Et votre majesté, ses gentils hommes. Que non, mamie. Notre alliance ne va pas jusque-là. Sire, je suis très malheureuse. Oh. Et si je te promettais de passer mes nuits de noces avec toi, que dirais-tu? Que c'est encore une de vos promesses de Gascon. Même que je fasse danser ma femme une fois. Triste, madame. D'être abandonnée de votre majesté. Que non. Il fallait bien ouvrir le bal. Et madame de Sauve danse fort bien. Vous savez, moi, la danse... Heureusement que toutes ces fêtes tirent à leur fin. Parce que j'ai pu m'ennuyer. Encore vous, vous avez vos amis. Maintenant, mes amis sont les vôtres, Henri. Bien sûr. C'est même pour cela qu'on nous marie, pas vrai? Mais je veux parler de vos amis intimes. Monsieur de Guise, par exemple. Justement, sire, je veux que vous sachiez... Je sais, Margot. Je sais que vous êtes une épouse infidèle, mais une fidèle alliée. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai plus besoin de fidélité en politique qu'en amour. Sire, ma loyauté vous est acquise. Merci, Margot. Vous êtes une vraie fille de France. Sans compter que, selon toute apparence, votre protection ne me sera pas inutile. Pourquoi donc? Une idée comme ça. Mais il me semble qu'il se trame ici des choses. Pas très catholique, si j'ose dire. Là, dans le tiroir de ce secrétaire, tu trouveras un portefeuille rouge. Approchez, monsieur de Morvel. Il contient tous les plans de campagne de la guerre des Flandres. Vous êtes bien à ce jour le chef de ma police? Oui. Vous faites bien comme tel une guerre acharnée aux Huguenots. Mais sire... Rouge, la couleur est éclatante, tu ne peux t'y tromper. Vous tentâtes bien de tuer lâchement à mon contour, monsieur l'amiral, que voici. Étudie ça chez toi et rapporte-moi ce Marocain demain matin au Louvre, lorsqu'au monde sonnera à Saint-Jacques-la-Boucherie. Adieu, sire. Dans mes bras, sur mon cœur, mon vieux guerrier. Vous assassinâtes bien par la suite le sieur de Mouy, le vieux duc de la Mole, sans parler de cent autres. Mais sire... Or, il se trouve, monsieur de Morvel, que les Huguenots sont aujourd'hui mes amis. Concluez vous-même. Majesté, ma vie est entre vos mains. Certes, et je n'en donnerai pas une obole. N'y a-t-il pas un moyen de me racheter? Il faudrait que vous fussiez très habile. Sire, mon dévouement vous est un gage. Habile tireur, s'entend.
Avec une bonne arquebuse, je touche une pièce d'or à 50 pas. Justement, celle-ci est excellente. Que disions-nous? Ce moyen, sire, de rentrer en grâce. Je ne sais pas, moi. Gagner la faveur de quelques grands de la cour, comme mon cousin Guy. Certes, mais comment? Comment? En le débarrassant d'un de ses ennemis, par exemple. Cet ennemi, quel est-il? Ce que je sais, moi. Il en attend. Attendez un peu. Il m'a parlé d'un homme qui pénétrait chaque matin au Louvre par la grande porte lorsqu'aumône sonne à Saint-Jacques-la-Boucherie. Mais beaucoup de personnes pénètrent par cette porte à la même heure. Ah oui? Je crois que celui dont il s'agit portera demain matin sous son bras un portefeuille en maroquin rouge. Sire, ce m'est une grande joie de pouvoir collaborer à l'œuvre admirable de pacification qu'accomplit votre majesté. Moi? Pas du tout. Je n'entends rien à ces histoires. Je suis un poète, moi. Je déteste l'intrigue. C'est encore une de ces choses qui nous rapproche de notre bonne mère Catherine. N'est-ce pas, Actéon? Que le nom du duc de Guise était un véritable talisman. Vous avez pu constater que celui d'Henri de Navarre ne le serait en rien. Eh bien, il est temps que nous nous séparions pour accomplir nos missions respectives. Peut-être nous retrouverons-nous autour d'un grand festin. Mais vous restez au Louvre? Certes, où irai-je? La tenue est un peu négligée, mais on a l'air cavalier. Et puis, je tiens au souper. Mais Dieu me pardonne. Pour commencer, faisant perdu. Eh bien, qu'avez-vous? Cet homme-là. Avec un manteau vert? Et une arquebuse à la main. Hein? C'est l'assassin de mon père. Alors, vous êtes victime de quelque hallucination. On n'oublie pas ce regard-là. Sentez-vous, monsieur, pour vous promener au Louvre, une épée à la main? J'arrive de Navarre, porteur d'un message pour le roi Henri. Venez. Eh bien? Madame, je suis au désespoir. Je ne puis le remettre qu'en main propre. Vous ignorez sans doute en province que je suis non seulement l'épouse du roi Henri, mais aussi sa fidèle alliée. Ma vie vous appartient, madame.
mais dût-il m'en coûter jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je ne puis enfin de mes ordres. Calmez-vous, monsieur. Suivez-moi. Il ne vous en coûtera que d'attendre dans ce cabinet. Je vais prévenir le roi. Eh bien, à quoi pensez-vous? Je ne pense pas. J'admire. Il paraît que l'on est galant en Navarre. Monseigneur veut bien me suivre. J'ai l'ordre de le conduire auprès de Sa Majesté le roi de Navarre. Pièce d'or à 50 pas, hein. Mes compliments. Mais, sire... Je vous avais prévenu, Morvel. C'était votre dernière chance de vous racheter. Peut-être y a-t-il là mon pardon. Hein? Sa Majesté Henri de Navarre. Reine-mère et le duc de Guise, parlant de vous, prétendent que vous êtes l'homme qui tombe le plus aisément du monde dans un piège galant. Vous tente un piège. Un massacre des nôtres est imminent. Fuyez tous ou s'il n'est pas trop tard, prenez les devants et investissez le Louvre. Renvoyez la Mole avec instruction. Prince de Condé. La Mole. En lieu sûr. Votre Majesté est-elle satisfaite de mes services? Laissez-nous, Morvel. Sire, je reçois à l'instant ce message chiffré. Encore? Décidément, c'est le jour. Mon frère, le duc de Mayenne, m'a dépêché le comte de Coconas pour m'informer que nos ennemis sont au courant de nos plans. Il nous en faut brusquer l'exécution sur l'heure. Quels ennemis? Quel plan? Sire, pour mieux servir votre majesté, nous avons fait le projet de la débarrasser de tous les Huguenots rassemblés à Paris. Ah oui? Je suis bien aise, madame, que vous daigniez m'en informer. Fais pas l'idiot, veux-tu? Pour commencer, vous tentez d'assassiner mon vieil amiral. Joli début! Moi, si. Mais je suis pour rien. Et qui d'autre que vous a pu armer le bras meurtrier? N'est-il pas votre ennemi? Mais nous saurons sévir, monsieur. Nous vous donnerons la chasse! Nous vous traquerons avec nos chiens! Nous vous dépêcherons! Et nous sonnerons votre halali! L'heure est grave.
Avec l'appui de ses partisans, cet Henri de Navarre prendra votre couronne. Toujours vos exagérations. Vous jouez votre vie et la nôtre. Pour l'instant, je ne joue que du corps. Parmi sa consente au piacere di finirla. Il mio collo. Stupido. Tu non trovi che sei già abbastanza magro? Io sono il re, sì o no? Tu sei solo un cretino che non sa neanche quel che vuole. Ah, se è così ti proibisco di mischiarti dei partigiani di Navarra. Poi uno schiaffo? Come ti permetti di parlare così a tua madre? Guigli, sono fatigué, Margot! Ce n'est pas une raison parce qu'elle porte le nom de ma sœur pour que tout le monde la caresse. C'est bon, sire, je me retire. Votre entêtement nous perdra. Exterminé. Toujours exterminé, c'est tout ce qu'elle sait faire. Encore si elle le faisait bien. Pardon, sire. Si quelqu'un venait me dire, vous serez débarrassé de tous vos ennemis à la fois, et il n'en restera pas un seul pour vous reprocher la mort des autres. Sire, c'est précisément là ce que la reine et moi sommes venus vous dire. Ah oui? Eh bien, expliquez-vous, que diable! Ça y est, l'embouchure est faussée. Et par l'intercession de quel saint ferait-on ce miracle, s'il vous plaît? Nous sommes aujourd'hui le 24 août. Ce serait donc par l'intercession de Saint Barthélemy. Et c'est vous qui, avec votre jolie petite épée à poignée d'or, tuerez 10 000 huguenots. Vous êtes plaisant, monsieur de Guise. Sire, tout est prêt. J'ai les Suisses, j'ai 1100 gentilshommes, j'ai les chevaux légers, j'ai les bourgeois. Votre Majesté a ses gardes, ses amis, sa noblesse catholique. Nous sommes 20 contre 1. Je ne veux pas qu'on tue dans mon Louvre. Dehors, je ne dis pas. Sire, je suis votre sujet le plus fidèle et le plus obéissant. Ça commence bien. Cet ordre au clergé de Saint-Germain-le-Serrois de sonner le tocsin à minuit. Et n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit de la gloire de Dieu, mieux vaut les horloges qui avancent que les horloges qui retardent. Peut-être nous préparons tout simplement un spectacle pour ce soir. Oui, un drôle de spectacle. Avec des Suisses qui bouclent leurs cuirasses et des hommes en armes plein les couloirs. Eh bien, s'il figure dans le ballet. Sire, un ballet signé de votre belle-mère. Permettez-moi de me méfier. Oui, eh bien moi, je ne veux pas rester là à attendre. Je vais aux nouvelles. On laisse entrer, mais... On laisse pas sortir. Sans les ordres. Nous sommes prisonniers. Prions ensemble. Charles. Charles, que se passe-t-il? Ce va-et-vient dans les galeries, ces soldats qui manœuvrent.
Prie pour moi. Prie pour moi, ma sœur chérie. Ce n'est pas contre Henri, n'est-ce pas? Nous devons nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Tu ne l'aurais pas marié avec lui pour le lendemain? Nous sommes si peu de choses entre ses mains. Réponds-moi, Charles. J'ai besoin de savoir. Un émissaire est arrivé de Navarre, porteur d'un message pour mon mari. Hein? Que contenait ce message? Je ne sais pas. Avant de le remettre, l'homme a disparu d'une façon inexplicable. Tu vois bien. Que te disais-je? C'est bon. Le tocsin. Sa Majesté désire vous parler. En fait, que signifie? Sa Majesté vous expliquera. Tuer son huguenot, tuer son huguenot, c'est facile à dire. Ils se défendent, ces bougres-là, et rudement bien, même. J'en connais un qui se défendra pas beaucoup. Allez, viens avec moi. Après toi. Et que je te dis qu'il est ficelé comme un rôti. Plus fort!
mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Gillonne, appelle au secours. Pardonnez-moi, madame, de mourir devant vous. Ah! Mardi, la reine Margot. Réjouissez-vous, monsieur le Huguenot. Je vais vous tuer au pied de votre bien-aimé. Depuis quand, s'il vous plaît, entre-t-on chez la reine de Navarre sans frapper? Mordi, madame. Il s'agit bien de frapper quand on massacre. Veuillez quitter ce ton, monsieur, et vous retirer sur l'heure. Pardieu, vous lui avez déjà sauvé la vie une fois. Il est dit que cela ne suffisait pas. C'est bon, madame. Je vous abandonne ce joli cœur. Vous pourrez tout à loisir l'ajouter à votre collection. Vigilon, de l'eau. Voici l'acte d'abjuration, sire. Il vous suffit de le signer. Signe, Henriot. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de Huguenots autour de moi. Les femmes de tous les chefs protestants que l'on jette à l'eau. Là-bas, cette fumée qui monte au ciel, c'est l'hôtel de Coligny qui brûle. Là, sur la berge, ce cadavre que l'on tire avec des chevaux. C'est Mouy, ton meilleur ami. Crois-tu que sans moi tu vivrais encore? Votre Majesté. Ma Majesté massacre tout ce qui n'est pas catholique. C'est son bon plaisir. Dieu jugera, sire. Dieu est avec nous. C'est l'excuse de tous les tyrans. Des mesures seront prises pour qu'il en soit ainsi. On dira des prières, on fera pénitence. Ce n'est pas ça qui importe. Henri, veux-tu la mettre, oui ou non? Sire, vous visez trop bas. Votre réputation de chasseur risque d'en souffrir. Oh Dieu! Il faut pourtant que je tue quelqu'un aujourd'hui, moi aussi. Que se passe-t-il? Madame, votre mari est chez le roi. Eh bien, il ne peut pas passer sa vie dans votre lit. Mais vous ne comprenez pas, ils vont le tuer. Il n'y a plus un seul protestant vivant dans le Louvre. J'y vais. C'est du bien gros gibier pour vous, mon fils. Sa Majesté s'exerce à la chasse au vol. Tiens, il vit encore, celui-là. Croyez bien, madame, que je suis au regret. Il a abjuré, au moins. Il ne veut pas. Si j'ai bien compris, c'est à vous, madame, que revient l'honneur d'avoir organisé cette petite fête. J'ai mes raisons. Il y a trop longtemps qu'il se passe avec vous autres huguenots des choses. On ne sait pas où elles peuvent nous mener. Je doute que celle-ci vous conduise bien loin. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Henri, je vous ai promis ma protection, je ne vous abandonnerai pas. Merci, Margot. Mais, ma chère enfant, qui vous laisse à penser que le roi de Navarre court un danger quelconque? Tu ferais bien mieux de lui dire de se faire catholique, ça arrangerait tout. Sire!
Vous avez fait de lui mon époux devant Dieu et les hommes. Mais elle a raison. Henriot est mon beau-frère. Je ne peux tout de même pas tuer mon beau-frère. Et s'il ne l'était plus? M'en vais! Reconduisez le roi de Navarre à ses appartements. Et veillez à ce qu'il ne lui soit fait aucun mal. Vous reviendrez me rendre compte. Dico che ti impicci tu. Di quel che mi riguarda. Voglio uno schiaffo. Ci insegno io a tenere a testa a tua madre. Ma cosa credi? Che mi faccio prendere a schiaffi fino a 50 anni? Non credete che ci siano state abbastanza zallotte oggi? Che famiglia, mia gelosanta, che famiglia! A letto! E presto! Mais tu avec des airs de grand seigneur, oh, c'était bien la peine d'exterminer tout le monde pour laisser vivre ce paysan. Tant que je serai sur le trône, je n'aurai pas de conseil à recevoir de Morveux. Oh, ton trône, je m'assois dessus. Et c'est un peu pour voir. Avete finito voi due? Col vostro trono, coi vostri litigi. Banda di sciagurati! Banda di mascalzoni! Je demande à votre majesté la permission de me retirer. Faites, monseigneur, faites. Sire, votre servante. Je vous salue, madame. J'ai envoyé Gilonne vous chercher des habits de liqueur. C'est le seul moyen que vous ayez de sortir vivant du Louvre. Non, madame, je ne puis revêtir la livrée des assassins. Bon, très bien. Vous resterez ici jusqu'au matin. D'ailleurs, ça vaut mieux. Vous êtes brûlant de fièvre. Quand tout sera réglé, nous tâcherons de trouver quelque autre moyen. Madame, c'est impossible. Mais puisque c'est moi qui vous en prie. Je sais et je vous en suis très obligé. Seulement... Seulement quoi? Je ne puis rester, vous dis-je. Mais enfin, monsieur, expliquez-vous. Eh bien, madame, tout à l'heure, votre époux viendra vous rejoindre et... Et? Mais d'ici, on entend tout ce qui se passe à côté. Poursuivez, monsieur. Vous ne pouvez tout de même pas exiger de moi d'être le témoin de... Ah, c'était dans cela. Oui, madame, c'est cela. Alors, cet homme qui voulait vous tuer tout à l'heure, c'était donc vrai ce qu'il disait? Que vous alliez périr au pied de... De ma bien-aimée, oui, madame. Vous voyez bien que je ne puis rester davantage. Mais vous le pouvez, monsieur. Le roi de Navarre ne viendra pas me rejoindre. D'ailleurs, même s'il venait, votre jalousie n'aurait pas à en souffrir. Il n'est mon mari que de nom. Comment? Tout le monde ici sait que notre union est de pure forme. Vous m'avez demandé, majesté. Oui. Pour t'annoncer une bonne nouvelle, ton Henri est sauvé. J'ai moi-même obtenu sa grâce du roi. Oh, madame, comment vous remercier? Oh, je l'ai fait pour toi. Aussi, je veux qu'il t'en ait une grande reconnaissance et qu'il te l'approuve dès ce soir. Ce soir, mais... Écris. Venez chez moi sur l'heure. Majesté. Si je puis me permettre, un homme dont on massacre les parisiens n'envisagera jamais de se rendre à un rendez-vous galant. Si vous aviez fait l'amour avec une Italienne, vous sauriez que massacre ou pas massacre. Enfin, si vous y tenez. Ajoute, il y va de votre vie. Et signe. Très bien. On ne saurait si bien dire. Prenez deux hommes. Prenez-en quatre si c'est nécessaire, pour qu'il puisse témoigner avec vous de l'adultère. Si Henri se rebelle, tuez-le tout de suite. Ma chérie, fais porter cela au roi de Navarre. Et va te faire belle. Va. Va. Le tuer dans son lit? Non, dans celui de sa maîtresse. Vous vengez l'honneur de la cour. Et on vous fait grand louvetier.
C'est ce que j'ai pu trouver de mieux. La croix blanche se met dans le dos. J'ai mis une épée aussi. Merci, Joseph. Tu sais pas ce que je vais apprendre? Cette nuit, nous travaillons pour ta maîtresse. Nous allons surprendre deux tourtereaux dans leur nid d'amour. Pas du menu fretin. Entrez. Eh bien, madame, me voici. Inquiet, je l'avoue, mais ravi. Que dois-je comprendre? Le ravissement est de vous voir. Et l'inquiétude? Avouez, ma chère Margot, qu'un soir comme celui-là, on peut s'attendre à tout. Même à être trahi par sa propre femme. Vous oubliez, mon cher Henri, que ce soir, justement, je vous ai donné une preuve de ma loyauté. C'est l'ennui avec vos autres Valois. On ne sait jamais sur quel pied danser. On commence un menuet et on se retrouve en pleine marche funèbre. La reine-mère est au bout de la galerie. Déshabillez-vous. Pardon? Nous n'avons pas de temps à perdre. Déshabillez-vous. Oh, sire, je vous en conjure. Obéissez à sa majesté. Sandu, je m'attendais à tout. Ça. Oh, chut. Rien ne vous obligeait à me mentir. Pourquoi a-t-il fallu que vous vous moquiez de moi? Imbécile. Povero piccola, fare questo il giorno delle sue nozze. Per fortuna che io sono qui. Non permetterò questo affronto. Il ne manquait plus que ça. Mais qu'y a-t-il? Lève-toi et viens avec moi. Ce n'est pas le moment de dormir quand l'honneur des Valois est en jeu. L'honneur de quoi, mère? Mais le tien, petite sotte. Oh, caramilla, ma pauvre chérie. Te faire ça le soir de tes noces, quelle honte! Mais je ne comprends rien. Tu vas comprendre. Quoi? Nous allons de ce pas surprendre ton mari dans le lit. Chut! Ne criez pas comme ça, vous allez le réveiller. Réveiller qui? Mais Henri, mon mari. Madonna Santissima! Vergine del Rosario! Gesù di dormire! Maledizione! Accidenti! Porca miseria! Alla malora! Al diavolo tutti qua! Merci, Margot. Et ne m'en veuillez pas d'avoir été si bête tout à l'heure. Henri, écoutez-moi. Vous n'êtes pas encore sauvé. Quand ma mère tient une croix... Ah, celle-là, il faut avouer que comme belle-mère, c'est un modèle du genre. En guise de cadeau de noces, elle m'offre un massacre. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a qu'un moyen de vous mettre à l'abri de ses coups. Abjurez, Henri. Elle ne pourra plus rien contre vous. Si seulement c'était vrai. Mais votre soumission la désarmera. Et du même coup, vous sauvez votre vie, votre liberté et votre couronne. Vous oubliez le principal, Margot. Il y a en effet des choses qui valent bien une messe. Excusez-moi, madame. J'oubliais que ce n'est pas moi qui suis destiné à jouer la fin de cette scène d'amour. Mais, sire, vous vous trompez. Cet homme est monsieur de la Mole. Joli visage. Tournure élégante. Il a été blessé en essayant de vous faire parvenir un message et je l'ai recueilli. C'est vous l'émissaire de Navarre que j'attendais aujourd'hui? Oui, sire. Excusez-moi, Margot. Aujourd'hui, il faut vivre. Demain? Demain? Nous rassemblerons nos partisans. Nous gagnerons quelques places fortes. Nous passerons à l'attaque. Et sais-tu ce que nous trouverons au bout du voyage? La
couronne de France. Oh, sire, je revis. On n'entend plus rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ah, tant pis. Entrons. Ah non. Non, madame, non. J'ai peur. Bah, on ne peut tout de même pas rester toute la nuit derrière cette porte. Allons-y. Aide-moi, Gilotte. Merci, Gilonne, tu peux me laisser. Mais ces deux hommes... Ils ne me feront pas de mal, va. L'un n'a jamais été mon mari. L'autre n'est même pas encore mon amant. Pour une nuit de noces. Dépêchez-vous, bande de fainéants. Et les huguenots seulement, compris? Tâchez de ne pas vous tromper. Caboche est mon ancien cocher. On peut lui faire confiance. Mais où vont-ils l'emmener? Dans un endroit sûr, où il pourra se soigner et guérir. Tout seul? Non, il aura un compagnon. Il n'y a pas que votre majesté qui recueille les blessés. Ah. Mmh. Le mien est un homme superbe, un colosse. Ils sont tous bien morts? Bon. Allez-y. Henriot ! Oui, sire. Où vas-tu ? À la messe. Bravo, Henriot. Vive Henriot ! Vive Henriot ! Vive la messe ! Vive le roi de Navarre ! Vive Henri de Navarre ! Vive Henri de Navarre ! Tout va bien, il abjure. Et il est content. Quel imbécile ! En abjurant, il nous échappe. Comment, hier vous disiez... Hier, je ne savais pas qu'il couchait avec ma fille. C'est quand même son mari, non? Et alors, est-ce une raison? Depuis quand dans nos familles, les femmes couchent-elles avec leur mari? Est-ce que tu couches avec ta femme, toi? Elle n'est jamais là. Bah, il faut que ça change. Nous courons à la révolution. Qu'est-ce que c'est? Un colis pour vous. Mais qui êtes-vous? Maître Caboche, bourg de la prévôté de Paris, pour vous servir. À l'occasion. Ah oui, oui. Bon, tenez. Déposez-le sur le lit là-bas. Oh. C'est votre maîtresse qui vous l'envoie. Bah, j'en ai déjà un qui est en train de rendre l'arme. Eh, comme ça, ils sont deux. Diable. Ah, ah. Voilà de belles plaies. J'en fais encore de plus belles. Je pense quoi boire. Hein, ils sont arrosés, ça. Oh. Qui va là? Qui va là vous-même? Un pauvre agonisant, couché au seuil de la mort. Et moi, votre serviteur, qui ne vaut guère mieux. Faisons cause commune, monsieur. Et luttons ensemble pour tâcher de vivre. Ou tout au moins, d'aller ensemble au paradis. Mordi, vous en avez de joyeuses. Coconas, la molle. C'est de mon père que je vais t'envoyer. Je crois que je ne m'échapperai pas. Monsieur, monsieur, guérissez d'abord. Vous vous tuerez après. Un peu d'agneau. Non, merci, je n'en peux plus. Alors, alors, il faut reprendre des forces. Tiens, donne-moi à boire. Oh, oh. Un petit souvenir de toi, hein? Donnant, donnant. Il faut dire que tu m'as assez joliment gâté. Qui est-ce qui a commencé, hein? Ben, aussi, il pouvait pas abjurer 24 heures plus tôt, ton Henri. Voilà, Pierre, du vin. Où est-il encore passé, celui-là? Ben, tu sais très bien que je l'ai envoyé en course. Ah, oui. J'oubliais. Ces messieurs vont très bien. Dieu soit loué. Trop bien même, enfin.
Dans 8 jours, il ne restera plus rien de leur blessure. Ah, plutôt ciel. Oui, mais seulement voilà... Eh bien? Remarquez, dans un certain sens, c'est plutôt bon signe, n'est-ce pas, vu que... Je n'ai rien voulu faire sans en parler à madame. Mais tu vas te décider, oui? Il s'ennuie. Oui, oui, voilà, n'est-ce pas, l'inaction, deux gaillards en pleine force, le... Ils m'ont donné l'ordre de le ramener de la compagnie. Quel genre de compagnie? Le genre que madame pense. Oh, mais je vous interdis, vous entendez? Mais pourquoi? Les garçons ont raison. Ils sont jeunes, beaux, dans la force de l'âge, oh. Et puis... Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Entrez, entrez, mes belles. Mordi! Que voilà de jolies minois. Je m'appelle Rosine. Et moi, Sylvia. Et moi, Artavan, Hannibal, comte de Coque. Mais dites-moi, nous ne sommes pas au bal masqué. Monseigneur, mon ami et moi sommes en position d'être bientôt mariés. Et nous ne voudrions pas courir le risque d'être un jour reconnus de vous au bras de nos fiancés. À votre aise, mes belles. Nous ferons donc l'amour à des masques. Eh bien, comment le trouves-tu? Mais c'est son assassin. Eh bien, tu viens? Non. Non. Comment? Non. Et pour quelle raison? Non. Pour la raison que je suis fidèle. Fidèle? Ah, voilà une idée. Et fidèle à qui? À un fantôme, à un rêve, à un nuage. Mes enfants, mon ami ne se joindra pas à nous. Il est souffrant? Non, fidèle. Mon Dieu, on ne peut pas le laisser dans cet état, il faut faire quelque chose. Mais faites, ma belle, faites. Que voulez-vous? Devrons-nous renoncer jusqu'au bout à l'espoir de votre compagnie? Il se trouve que ma compagnie ne m'appartient pas. Je ne puis donc en disposer. Je sais, votre ami nous l'a dit. Mais l'amour est une chose. Et le plaisir en est une autre. Oui, mais il se trouve que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Bonsoir, mademoiselle. Bon, bon. Comme vous voudrez. Elle a bien de la chance, cette dame. De la chance? De nos jours, la fidélité est une vertu si rare. Mais mon pauvre petit, la chance, c'est moi qui l'ai. Mais vous ne comprenez donc pas que... Bah, je me demande pourquoi je vous raconte ça. Est-ce qu'au moins une si grande passion est payée de retour? Peu importe. Mon amour à moi est si fort qu'il suffit amplement pour deux. Vous m'en voyez ravie. Ah? Pour elle, bien entendu. Il y a à côté un excellent souper qui refroidit. Je suppose qu'il est inutile d'insister. Et moi, je ne le suppose pas. J'en suis sûr. Vous êtes presque grossier, monsieur, mais ça ne fait rien. Je vous pardonne bien volontiers. C'est beaucoup de grâce que vous me faites. Rassurez-vous, je puis très bien m'occuper des deux. Une pour Hannibal et l'autre pour Artaban. J'ai changé d'avis. Ah, bravo! Mais monsieur, ne craignez-vous pas? Vous aviez raison. L'amour est une chose, le plaisir en est une autre. Sylvia, elle s'appelle Sylvia. Mais celle-ci, c'est Rosine. Votre fidélité, monsieur, était bien fragile pour céder à un premier assaut. Sylvia. Je crois que c'est un nom qui va me plaire. 3, 4, 5. Dame de coupe. Femme d'un certain âge qui vous tirera de tous les périls. Ce ne peut être que vous, bonne maman. Aïe! Imbécile! Oh, ma vie de bokeh! Et où est ta femme ce soir, Henriot? Margot? Elle passe la nuit en retraite au couvent des Annonciades. Elle a donc bien des péchés à se faire pardonner. Hein? Hélas, n'est-ce pas notre cas à tous? Voici le jour. Il faut que je parte. Quand te reverrai-je, Sylvia? Il n'y a pas lieu de se revoir puisque ton cœur est pris. Ah non, tu m'as guéri définitivement. Comment? Ce grand amour qui hier soir t'était plus cher que la vie, tu l'as déjà oublié? Eh oui, définitivement. Parti, envolé, comme s'il n'avait jamais existé. L'inconstance des hommes. Mais enfin, de quoi te plains-tu? Je t'aimais mieux amoureux, même d'une autre. Quand
te reverrai-je, mon Hannibal? Il n'y a pas lieu de nous revoir. Mon cœur est pris ailleurs. Ingrat. Mon petit, je suis aimé d'une grande dame. C'est elle qui m'a mené ici. Elle est fort éprise et prête à tout sacrifier pour moi, alors. Est-elle belle, au moins? Mufle! Tu viens, cousine? Me voici, Sylvia. Adieu, messieurs. Elles sont charmantes. N'est-ce pas? Tu n'as pas l'air content. Ravi. La mienne. Étais-tu l'amoureuse? La mienne aussi. Oui, ça ne vaut pas la reine de Navarre, mais faute de grive. Idiot! Alors tu n'as pas compris? Compris? Quoi? C'était elle, Margot. Non! Oui! Mais alors l'autre, c'était... Mordi! Tiens, vous êtes là, mon cher beau-frère. Je voulais m'essayer à ce noble jeu, mais j'avoue... Je vais vous donner des leçons. Il faut tenir le manche bien droit, là, comme ceci, là. Et ensuite, d'un coup, sac du poignet... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Monseigneur, nous agissons sur l'ordre du roi. Oh, mais Vilboquet, c'est trop fort! Ce jeu est désormais interdit dans l'enceinte du Louvre. Je peux faire ça à moi! Sa Majesté craint les accidents. Les accidents? Il massacre des milliers de huguenots et il... Pardon. Non. Regardez, c'est qu'il est jaloux. La seule fois où il a essayé d'y jouer, il s'est fait une bosse comme ça. Et vous supportez d'être traité de la sorte? Le moyen de faire autrement. Il est le roi. Évidemment, si vous aussi, vous étiez roi. Roi? Mais de quoi voulez-vous que je sois roi? Ma mère voulait m'envoyer en Pologne l'autre jour. Vous me voyez roi de Pologne? Pas roi d'Égypte pendant quelle guerre. Écoutez, un jour, 100 000 hommes m'attendent à La Rochelle. La Navarre est en armes, les Flandres se soulèvent. Nous rassemblons nos partisans, nous marchons sur Paris, nous... Non, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Mais vous aussi, un jour, vous avez votre armée et vos amis. À nous deux, nous sommes les plus forts. Vous croyez? Mais ma parole, c'est un complot. Doucement. Et en reconnaissance de vos services, je vous donne ma couronne. Hey. Il est évident que mon frère en crèverait de rage. Il ne vous resterait plus dès lors qu'à prendre la sienne et me rendre la mienne. Voici les cadeaux que vous m'avez commandés pour votre gendre. C'est un ouvrage de vénérie fort rare. Parfait. Figure-toi que ce paysan de Navarre s'est mis en tête d'en remontrer à toute la cour en matière de chasse au vol. Il trouvera là de quoi s'instruire. Majesté. Ah! Les anciens prétendaient que le goût de l'étude prolonge l'existence. Eh bien, pour une fois, nous ferons mentir les anciens. Je ne comprends pas cette obstination que vous avez contre ce pauvre Henri. Ce pauvre Henri, un ambitieux qui brigue la couronne de mon fils. C'est toi-même qui me l'as dit. Les présages sont formels. Tous les horoscopes que tu tires le confirment. Un Bourbon sur le trône des Valois, jamais. Majesté, il faut être très puissant pour lutter contre le destin. Quelquefois, le destin, il est le plus fort. Et alors, il se venge d'une façon terrible. Il n'est rien de plus puissant ni de plus fort au monde qu'une mère protégeant ses enfants. Si, peut-être. Majesté, comme vous voyez, ces feuilles ont été immergées, plongées pendant plusieurs jours dans un bain d'arsenic. Et elles sont collées entre elles. Et on est obligé, pour les détacher, de se humecter les doigts, così, et tourner à chaque page. Et ainsi, le poison pénètre lentement l'organisme. Pas trop lentement, j'espère. Je passais pour t'embrasser, Henriot, et j'ai trouvé chez toi un trésor. Quel trésor, sire? On ne fait pas l'innocent. C'est le plus bel ouvrage de vénerie que je connaisse. Je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, oui. Tu étudies en secret pour m'éblouir à la chasse de demain, hein?
cachotier. Pour te punir, je l'emporte. Deux heures du matin. Tu veux donc me faire mourir d'inquiétude? Les rues ne sont déjà pas sûres pour un huguenot, mais en plus de ça, pour un huguenot qui complote. J'ai vu Henri de Navarre. Tout va bien, c'est pour bientôt. Je ne veux pas le savoir. Nous devons profiter de la prochaine chasse du roi pour... Je te dis que je ne veux pas le savoir. Bon, bon, n'en parlons plus. Enfin, est-ce que tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Je suis catholique, tu es huguenot, et quoi? Et si j'écoutais ma conscience, je devrais te dénoncer. Est-ce que tu les as revus? Qui? Qui? Mais elle, bien sûr! Margot et Henriette! Enfin, voilà deux femmes qui viennent nous saouler d'amour pendant toute une nuit et puis disparaissent sans laisser de traces et tu trouves ça normal, toi! Mais la possession des corps ne compte pas, Artaban. C'est cela qui compte. Oui. Ça n'a pas l'air de te réussir de comploter. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas besoin de revoir Margot pour l'aimer. Il me suffit de penser à elle. Oh, tu es trop mignon, tiens. Et elle pense à toi. Peut-être. Et ce beau ciel, ce lambris azuré, ce théâtre où l'arbre épanche tant. Je connais cet homme. Nous le chantions à Blois quand nous étions enfants, tu te souviens? Il y a même une légende à ce sujet. On prétendait... Que celui ou celle qui le chantait sans être éperdument amoureux risquait de périr dans l'année. Oui, c'est ça. Le temps amène... Oh, assez! Qu'est-ce qui te prend? Je n'aime pas la musique. Continue, Margot. Ce lambris azur. Décidément, il suffit qu'une chose me plaise pour qu'elle te déplaise, et qu'elle me déplaise pour qu'elle te plaise. Alors, répétoire, je n'ai pas très bien suivi. Non, ça va, ça va. Tirons. Continue, Margot, continue. Le roi le veut. Oh, mes enfants, j'ai trop mangé. Ce pâté était bon, d'accord, mais d'un lourd, oh. N'est-ce pas? Je ne sais pas, j'en ai pas goûté. Tiens, pourquoi? J'ai plus d'appétit. Mais qu'est-ce qu'il a ce soir en joue? Il a avalé son vilboquet? Non, c'est ça, fait de l'esprit en plus. Oh, aide-moi à me dégrafer, ma chérie, je suis gonflée comme une outre. Voulez-vous que j'aille chercher votre poudre digestive, mère? Ah, que non, ça va passer. Ces Siciliens étaient vraiment des gens extraordinaires. Ils ne connaissaient pas moins de 17 manières de dresser un faucon. Où as-tu pris ce livre? Chut, chez Henriot. Ce brigand-là étudiait en cachette pour nous éblouir à la chasse demain. Ne le lis pas. Pourquoi? Oh, d'ailleurs, je l'ai presque terminé. Oh, Dieu. Mais qu'avez-vous, mère? Pourvu que ce pâté ne vous ait pas empoisonné. Quoi? Oh, les belles images! Ne touche pas! Pourquoi? Depuis quand t'intéresses-tu aux histoires de chasse? Allez, va jouer au bilboquet, laisse-nous tranquille! Ah, ça alors c'est le comble! Je me demande comment je pourrais y jouer alors que ce tyran-là les a tous confisqués! Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai, mère! Menteur! Même qu'il a interdit de jouer au Louvre, rien que pour m'embêter! J'ai autre chose à faire que de m'occuper de ces imbécilités! Assez! C'est peut-être pas toi qui as envoyé les gardes à la salle de jeu cet après-midi! Non, monsieur! Jure-le! Je le jure! Assez! Basta! Fate diventare pazza con i vostri bilboquet quando... Mais alors? Oh! Oh, le coq quand il met! Mais qui ça? Henri, c'est lui qui a tout combiné. Et il m'a fait croire que c'était toi uniquement pour me faire entrer dans le complot. Un complot? Quel complot? Ma chérie, je crois que tu ferais quand même bien d'aller me chercher cette poudre. Une petite boîte en or sur ma toilette. Henri veut profiter de la chasse de demain à Forêt de Saint-Germain pour fuir la cour avec tous ses partisans.
Ils veulent gagner la Navarre, y lever une armée de 200 000 hommes et marcher sur Paris pour venger les leurs. Où se rassemblent les conjurés? Je ne sais pas. Il est convenu que nous devrons quitter la chasse avec Henri. Un homme nous attendra dans une clairière avec des chevaux de relais. De là, nous rejoindrons les autres dans une autre partie de la forêt. Et quelle clairière? Quelle partie de la forêt? Je ne sais pas. Mais quand on se mêle de conspirer, on s'en sait. Oh! Je ne l'ai pas trouvé, mère. Tiens. Voilà. Sire, ma sangle est un peu lâche. Vous feriez-vous la grâce? Mais certainement. Je vous cherche depuis hier. Écoutez-moi, n'ayez pas l'air surpris. Anjou vous a trahi. Pendant la chasse, ne vous éloignez pas du roi. Ne le quittez pas d'un sabot de cheval, sinon vous êtes un homme mort. Oh, sans Dieu. Mais il faut prévenir. Attention. Montez en chasseur dedans, monsieur. Vous savez cependant que c'est une chasse au vol que nous faisons aujourd'hui. Morvel. Ne le quittez pas des yeux. Dès qu'il s'éloignera, vous le suivrez avec les hommes. Quand vous aurez débûché le gros des conjurés, faites sonner la lali. Nous vous rejoindrons avec la chasse pour la curer. Messieurs, chassons du gros gibier aujourd'hui. Nous sommes mal embarqués. Margot! Fuyez vite, ne restez pas là, le complot est découvert. Là, qu'est-ce que je disais? Il faut que j'aille prévenir les autres. Non! Non, elle a raison, décampons. Les routes sont coupées, les carrefours sont gardés, il est trop tard. N'y aurait-il qu'une chance de les sauver? Il faut que... Mais vous ne pourrez pas revenir jusqu'à eux, vous serez tués avant. Je t'en supplie. Est-ce que Sa Majesté t'en supplie? Ce n'est plus la reine de Navarre qui te le demande. C'est Sylvia. Que ce soit l'une ou l'autre, dans les deux cas, le conseil est excellent. Sylvia. Alors, bon, il ne manquait plus que ça maintenant. C'est notre premier vrai baiser. Les autres ne comptaient pas. C'est mon premier instant de bonheur. Les autres ne compteront jamais autant. Il y en aura encore beaucoup d'autres.
Fuyons ensemble, viens. J'abandonne tout, je veux oublier tout ce qui n'est pas notre amour. La vie de ces hommes est entre mes mains. Ce serait un crime. Mais si tu meurs, je mourrai aussi. N'est-ce pas un autre crime encore plus abominable? Marco. Je m'excuse d'intervenir à cette conversation, mais Morli, faut-il attendre ici qu'on vienne nous abrocher sur place? Tu diras au roi de Navarre que j'ai tout tenté pour sauver nos amis. Il est têtu quand même. Je te demanderai de bien vouloir accompagner Sa Majesté. Et de te laisser tuer tranquillement ici tout seul. Non, monsieur, rien à faire. Excusez-moi, madame. Monsieur, que vous avez invité quelques-uns de vos amis à notre chasse. Je ne comprends pas, sire. Vous aviez sans doute oublié que c'est aujourd'hui Saint Blaise, cousin de Saint Barthélemy. À la curée, messieurs! Pied à terre, monsieur, si vous n'êtes pas un lâche. Il est beau. Tu peux être fier. On est là. On complote. On fait le joli cœur. On se retrouve à la Bastille. Moi, je le savais, je t'avais prévenu. Alors, c'est tout ce que tu trouves à me dire pour me réconforter, hein? Pauvre Hannibal. Le jour où tu es entré dans cette auberge, sur la route de Paris, tu aurais mieux fait de te casser une jambe. C'est ça. Insiste. Tu trouves que je suis pas assez triste comme ça, non? Je suis triste! Je suis triste! C'est fini? Mordi! J'ai bien le droit d'être triste si ça m'amuse, non? Il ne me reste que ceux de ma couronne. Je puis aussi vous les faire parvenir, si tel est votre désir. Majesté, ce que vous me demandez est impossible. Ces deux hommes ne sont pas des prisonniers ordinaires. Nous avons des ordres spéciaux de la reine-mère les concernant. J'ai beau être gouverneur de cette prison, il y a des choses que rien ne peut acheter. Rien. En êtes-vous bien sûr? Tu ne connaîtrais pas le remède par hasard? Si. Ces rougeurs, ces pustules. L'odeur aussi. Il n'y a pas de doute, c'est un empoisonnement à l'arsenic. Mais ces chiens, il n'a pas mangé quelque chose. En jouant avec ce livre, il en a déchiré une feuille et l'a avalé. Pas un
explication. Pour le commun des mortels, sans aucun doute. Mais pour toi, qui es si savant, toi qui connais les astres. Ah, Majesté, quel rapport il y a entre les astres et... Les gants empoisonnés qui ont tué Jeanne d'Albret, par exemple. Ou bien ce livre, qui était destiné à Henri. Les deux objets viennent de la même boutique. Allons. Parle ! Majesté. Je n'ai plus beaucoup de force. Mais il m'en reste encore assez pour te faire mourir avant moi. Et même avant ce chien. Parle ! Vous êtes perdu, Majesté. Qui t'a commandé ce livre? La reine Catherine. C'est bon, laisse-moi. Combien de temps me reste-t-il encore à vivre? 12 heures, peut-être 14. C'est plus qu'il n'en faut. Et que allez-vous faire, Majesté? Régner. Prends cette plume et écris. Là. Ce manuel de chasse a été donné par moi. Dans la mort, madame, qui s'approchera exactement comme vous, dans l'obscurité, en silence, et sans se faire annoncer. Allons, mon enfant, allons. Je désire dicter mes dernières volontés. Je vais chercher votre frère. Allez me chercher, Henri. Henri. Mais sa place n'est pas ici. Seul un fils de France peut venir s'agenouiller au chevet de son roi à l'heure suprême. Allez me chercher, Henri. Je m'y refuse. En vertu de quel droit, madame? En vertu des droits que m'a donné la nature, Charles. Je suis votre mère. Non. Comment? Vous ne l'êtes plus depuis l'instant où vous m'avez retiré la vie que vous m'aviez donnée. Mon fils, le délire vous prend. Connaissez-vous ce livre? Ce n'était pas contre toi, Charles. C'était contre lui. Tu as été victime d'une erreur, je sais. C'est pour éviter à l'avenir ce genre d'erreur que je désire faire de Henri, le dépositaire de mon testament. Un homme qui complotait contre votre couronne. Henri ne vient pas sur l'heure. Le peuple de France saura demain quel mal a terrassé son souverain. Et s'il vient? Nous brûlerons ce livre, madame. C'était une faiblesse. Et il ne faut pas que les sujets connaissent les faiblesses des rois. Vous disposez du temps de ce sablier. Margot, j'ai tant prié pour obtenir cette dernière joie de pouvoir te dire adieu. Ce n'est pas adieu que je suis venue te dire, mon amour. Ce soir, nous serons réunis pour toujours. Non. Écoute-moi, toi et ton ami, vous demanderez à être conduits à la chapelle pour vous confesser. Je serai là avec Henriette et des chevaux nous attendront à la porte. Comme c'est dommage, Margot. Comme je t'aurais aimé. Mais puisque je te dis que tu es sauvée, j'ai payé le prix qu'il fallait. Marley ! C'était pas venu au programme !
cet homme la question ordinaire. Bon, ça va. Ordres spéciaux du gouverneur de la prison. Ah ? Ces ordres spéciaux correspondent des coins particuliers, en cuir au lieu d'être en bois. Ils ne vous feront pas plus de mal qu'une motte de beurre. Nous sommes prêts, monsieur le procureur. Greffier, préparez-vous à inscrire les déclarations de l'accusé. Bien, monsieur le procureur. Premier coin de l'ordinaire. Premier coin de l'ordinaire. Comment vous sentez-vous? Pas mal, merci, ça peut aller. Voilà un chrétien bien dur. Est-ce que le coin est entré jusqu'au bout, maître? Ben... criez, criez donc, bon Dieu! Poursuivez, maître, poursuivez! Vous me brisez les os! Va-t-il parler, oui ou non? Avouez, qu'attendez-vous? Mais avouez quoi? N'importe quoi, mais avouez! J'avoue! J'avoue tout! Décrivez, greffier, décrivez! Que faisiez-vous dans cette forêt? Nous conspirions. Contre qui? Un autre coin, maître Caboche. Contre tout le monde. Écrivez, greffier! Quels étaient vos plans? Encore un autre coin, maître Caboche. Nous voulions les tuer. Écrivez, greffier. Qui? Tous. Précisez. Le roi? Nous le tenons. La reine mère? Bravo, qui encore? La reine Margot? La reine Margot. Le duc d'Anjou? Le duc d'Anjou. Le pape? Le pape. Empereur de Chine? Le roi de Chine. Et le procureur? Et le procureur. Il se moque de nous. Les 12 coins sont désemparés. Je suis au bout, monsieur le procureur. L'accusé ne pourrait en supporter davantage. J'espère que nous aurons plus de chance avec eux. Laissez dire, allez, vite. Bravo. De toute ma vie, je n'oublierai pas. Et alors, ça ne fera guère longtemps. La torture était factice. Et voilà, je dois vous décapiter. Et là, on peut difficilement truquer. Pardon, pardon. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de ne pas m'y reprendre à deux fois. Le coup est robuste, mais Dieu merci. La ligne des épaules est dégagée. Vous avez de la chance. À la chapelle. Je vais aller tout de suite à la chapelle. Et quelquefois, vous avez des coups mous, sans consistance. Et la hache ne mord pas, comprenez? À la chapelle. On vous y conduira tout à l'heure. À la chapelle. Et maintenant, préparez tout pour le suivant. Et ayant l'accusé, malgré la question ordinaire et extraordinaire à lui donner en notre présence, refusé de répondre, avons clos le présent procès-verbal sur les conclusions suivantes. Convaincu de crime de lèse-majesté et d'attentat contre la personne du roi, le sieur Artaban Hannibal de Coconas sera conduit à la place Saint-Jean en Grève pour y être décapité. À la suite de ce jugement, le tribunal décide qu'il sera appliqué au sieur Lamaule la question extraordinaire qui est de 12 coins. Vous appliquez le même traitement à mon ami, j'espère. Et bien entendu. Vous serez content de lui. Il a une très bonne voix. Eh bien, maître Caboche, notre homme vous attend. Voilà, voilà. Avez-vous une dernière volonté? Je veux me confesser à la chapelle. Premier coin de l'ordinaire. Bien joué. Pour le deuil, que diriez-vous d'un pourpoint très cambré, avec des bourrelets et des manches gaufrées? Toi, Henri, c'est le roi. Et vous, que faites-vous là?
T'es beaucoup tourmenté, Henriot. Il ne faut pas m'en vouloir. J'étais sans cesse poussé contre toi. Parfois, je résistais. Parfois, je cédais de fatigue. Oublions tout cela, sire. C'est le passé. L'avenir aussi m'épouvante. Mon beau royaume de France. Il est déchiré par la haine, le fanatisme et l'intrigue. Tu es le seul à pouvoir le sauver. Moi, sire. Mais comment ? Voilà qui t'en donne le moyen. La régence ? Es-tu trop habile politique pour ignorer quel est le meilleur marchepied vers le trône ? Jette mon frère Anjou en prison. Renvoie ma mère à Florence. Et fais de Margot la reine de France. Je vous obéirai, si. Allez, monseigneur. Le temps, il n'est pas encore venu. Sire, c'est mon état de connaître l'avenir. Et j'ai particulièrement étudié votre horoscope. Pourquoi vous croirais-je, René ? Voyons, réfléchissez. Vous êtes seul, désarmé. Anjou se prépare à succéder à son frère. Guise est sur les routes avec ses hommes. Pensez-vous qu'ils vous laisseront vivre ? Oubliez les crimes du roi pour ne vous rappeler que les souffrances de l'homme. Les poignards sont sous la nappe de l'hôtel. Vous avez 2 minutes pour fuir. Moi, je vais y aller. Mes os sont brisés. Mordi. Pressez-vous. Courage, la molle. Je te tiendrai devant moi sur mon cheval, mais partons. Par le corps du Christ. Oh non, je ne peux pas. C'est impossible. Partez sans moi. Toi, fuir d'abord. Donne-moi cette consolation de te savoir en vie. Adieu, Marco. Viens, allons. Pardonnez-moi, madame. Il a les jambes brisées. Il ne pourrait monter à l'échafaud sans le secours d'un ami. Pour le soutenir. Vite, on vient! Cours chez ton frère. Essaie d'obtenir leur grâce. Marco. Sine iniquitate
observa veris domini. Le roi est mort. Vive le roi Henri, troisième de ce nom. Vive le roi Henri, troisième de ce nom. De Navarre. Auparavant, nous allons essayer de sauver nos deux amis. Mais si, Anjou et Guy sont sûrement sur nos traces. Qui vient avec moi à l'échafaud? À l'échafaud! À l'échafaud! Hannibal, voilà tout ce que t'aura rapporté mon amitié. C'est pas grave. On fera les comptes de l'autre côté. Thank you.
Emmenez les corps de ces deux héros avec nous. Marcherai derrière moi, en tête de la troupe. Alliez-vous à mon palage blanc!